Aujourd'hui, je m'en viens découvrir le programme technique de l'informatique au cégep de Shawinigan. Pourquoi tu as choisi de t'inscrire dans le programme technique de l'informatique? C'est sûr qu'à la base, pour choisir l'informatique, il fallait que j'aie un intérêt pour les technologies. Puis en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les filles sont vraiment sous-représentées en informatique. Fait que j'ai décidé de me lancer un défi supplémentaire, puis de m'en aller dans un milieu où les filles étaient en minorité. Puis je regrette pas mon choix. Puis c'est quoi qu'on fait concrètement dans le programme? C'est sûr qu'on fait de la programmation, bon, logiciel d'entreprise de base, de la base de données, de la réseautique. Sauf qu'on a aussi des cours dans lesquels les profs nous donnent beaucoup plus de latitude. Fait qu'à ce moment-là, ça nous permet de développer des jeux, ça nous permet de développer des applications en robotique. Il y a même une équipe de robotique au collège. Est-ce qu'il y a des aptitudes à avoir pour s'inscrire dans un programme comme ça? Au niveau des aptitudes, ça prend un bon raisonnement logique. L'informatique, à la base, c'est de la logique. Ça prend aussi une base de connaissances en mathématiques. Je te dirais surtout au niveau des jeux vidéo. Faut pas penser non plus que l'informatique, c'est un milieu réservé aux gamers puis aux gars. C'est un milieu où les filles ont leur place et doivent faire leur place. Donne le crayon. Oui. C'est quoi qu'il y a de spécial dans le programme ici à Shawinigan? On aime utiliser le côté ludique, c'est-à-dire qu'on va utiliser les robots, on va utiliser les drones, on va utiliser la programmation de jeux afin de garder l'intérêt des étudiants dans le travail qu'ils ont à faire. C'est vraiment particulier à Shawinigan, ce côté-là, ce qui fait que l'étudiant s'amuse tout en apprenant, ça aide à la formation. C'est quoi les débouchés qu'ont les diplômés par après? Les débouchés vont se retrouver dans tous les domaines, autant dans le domaine de la santé, on parle des hôpitaux, que au gouvernement ou dans des petites PME. Même le domaine de la mode aujourd'hui va toucher aux technologies de l'information. Je dirais à une fille qui veut se lancer en informatique de ne pas hésiter, de foncer. Parce qu'une fille réfléchira pas de la même façon qu'un garçon. Donc, elle va être capable d'aborder un problème d'un angle différent et peut-être d'apporter des solutions qui n'avaient pas été envisagées avant.